assieds-toi. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu faire du cinéma. Chut, tu restes tranquille. Alors, être sage. Ok. C'était comme un autre univers où tout était possible. Le monde était divisé en deux catégories. Ceux qui entraient dans la salle et les autres. Je crois que ça a commencé par un sourire. Swing, little girl, swing up. C'était mon église, mon temple. Je commençais à croire au cinéma. C'est trop du cul, il croyait que c'était avec Jane Fonda. Tu sais, Billy, on a tout foutu en l'air. Et Mickey, je t'aime bien. Mais là, faut que tu la fermes. Ok. Je t'en veux. J'ai toujours eu du mal à montrer mes émotions, mais quand j'étais devant cette toile, je pouvais être moi-même. Regarde tellement d'autres vies qu'on devient parfois spectateur de la sienne. Jusqu'à ce qu'un détail change notre manière de voir et de penser. C'est pas rationnel. C'est le bruit de la pellicule. Les percussions du destin. Le contact avec la lumière. Notre capacité à croire en quelque chose de magique. Quelque chose d'invisible, mais qui nous entoure. Comme deux soleils à l'horizon. Connexion avec l'autre. La combinaison de ce qu'il y a de mieux en nous. Je crois que c'est dans les détails que le cinéma nous révèle son véritable but. Parfois, tout disparaît en un instant. Vous êtes prêts, les enfants? Ah non, pas toi, mise en roue. Ah, deux. Quelle est la raison de ce brèvement? C'est la liberté.
chantons. Je te lâcherai pas. Il y a des événements dont on ne peut pas se remettre. Des frères. Je te lâcherai pas. C'était mon refuge. Et c'est devenu mon tombeau. Mais la vie trouve toujours un autre moyen. Little girl, swing high to the sky, and don't. Ça commence par un détail qui change notre manière de voir et de penser. Ça va? Ça va, papa? C'est insupportable. Ça cause, ça regarde le portable, ça pousse dans le fauteuil. Oh, fais pas ton vieux. Mais pauvre petit, vous avez pas connu l'époque où personne ne mouvetait. Seul l'écran. L'écran comptait. On sait. Ça t'a pas plu? C'était mieux avant. De toute façon, t'aimes pas les adaptations, alors... C'est pas ça. Je pense qu'il reste suffisamment d'histoires à inventer pour pas aller chercher dans tout le reste. Bah... T'as qu'à le faire, toi, ce film. Hmm? Mais je le ferai. Un jour. J'espère que vous apprécierez ce premier film qui s'est fait longtemps attendre. Le dédié à un sourire qui a changé ma vie. Mmh.